Salut à tous. Alors la dernière fois, on avait fait le garage RGB qui était avec les voitures Luxury, je crois, ou Legendary. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux voitures de film. Voitures de film. Donc vous voyez que derrière, ça peut être des voitures de film, mais on va en rester là quand même. Donc on va partir dans le même garage que la dernière fois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, c'était une vidéo que je vous avais fait, ce qui s'appelait garage RGB. On avait été dans un garage à proximité de tous les commerces. Il se trouve au fond. Donc là on était au numéro 3 encore. Parce que j'ai trois garages dans GTA. J'en ai un numéro 3, j'en ai un où on va aller et j'en ai un près de l'aéroport. Comme ça, j'ai tout le temps des voitures à proximité. Mais ce qui est bien là avec lui, c'est que le garage est au fond de la rue et voilà. Donc allez voir la dernière vidéo. Et mettez un max de likes, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Un max d'abonnements. Activez la cloche de notification. Et laissez des commentaires. Voilà, si vous voulez me donner des idées aussi, il n'y a pas de problème. Donc voilà, là il se trouve qu'on est à l'arrière de Los Santos. On va arriver dans pas si longtemps que ça, vous voyez. On va se trouver à l'arrière, voilà, de Los Santos au niveau des zones industrielles et l'autoroute. Voilà, c'est un petit coin à reculer de Los Santos. Donc on va se garer là. Je sais pas si je me suis mis en. Alors, non, je l'ai pas activé. Je vais prendre ce menu-là. De Eternal Darkness. Là aussi, je vous ai fait une vidéo de 50 minutes où je vous explique en entier, approfondi, toutes les options de Eternal Darkness. Donc voilà. Nous, ce qui nous intéresse là, c'est voir si j'ai été mettre le mode PS4. Parce qu'on est sur. Non. Parce qu'on est sur mode PS3 et on veut un petit peu plus de clarté. Donc voilà, on va rentrer dans le garage. Alors, voilà, ces véhicules-là, c'est comme l'épisode précédent. C'est des véhicules qu'on peut avoir que ce soit en mode carrière ou en mode online. Il n'y a pas besoin d'avoir de DLC, il n'y a pas besoin d'avoir un mode menu, il n'y a besoin de rien, à part de l'argent, mais ça vous demandez à un modeur, il va vous le passer, il n'y a pas de problème. Alors, voilà, ça se passe comme ça. On va aller dans les magasins de véhicules, pas nécessairement légendaires comme la dernière fois. Par exemple, voilà. Là, ce que je veux trouver, c'est une Roosevelt. La Roosevelt. Je vous annonce, sur la Roosevelt, il y aura la JP700, la Bullitt, la Slam Van, la Regina, la Coquette C décapotable, la Vigero, la Diamond, la Surfer et la Z-Type. Donc voilà, on va faire ça en accéléré. Et je vous reprends tout de suite. Voilà. Donc, on a toutes nos voitures. On va attendre qu'elles arrivent. Les voilà. Parfait. Pas toutes. Donc ici, donc on pourra voir. Ouais, je peux vous les présenter tout de suite, on va quand même attendre qu'elles arrivent. Les voilà, elles sont toutes là. Voilà, on va pouvoir les réorganiser. Voilà, pour voir les plus rares comme les plus chères au fond du garage pour les protéger.
au plus modeste et mais au plus voilà, au plus caché quand même, forcément. Donc c'est parfait. Donc nous voilà. On va commencer avec l'arégino. Comme dans la vidéo précédente, je vais pas vous la mettre en accéléré. On va aller faire un tour ensemble. Je vais vous montrer comment on va procéder. Donc voilà, donc la sortie de notre garage avec notre Regina. Vous voyez, notre garage se trouve là. Et nous, on est juste au bord de Los Santos. Ah, notre garage qui se trouve là. C'est un garage assez connu quand même. Quand on a su jouer, quand on a joué à GTA. Et voilà. Donc là, on va pouvoir commencer. Et nous revoilà dans notre garage. Voilà. Et de une. Ensuite, autour de la coquette C décapotable. La coquette C décapotable, on va la mettre en jaune. Voilà, terminé. Et de deux. Donc n'oubliez pas de vous abonner, mettez la cloche, les pouces bleus, beaucoup de pouces bleus s'il vous plaît. Lâchez des commentaires, la cloche de notification, abonnez-vous. Voilà. Donc ensuite on va passer au slam van. Le slam van, je le veux en effet boisé, rouillé et blanc. Voilà, terminé. Ah bah j'ai du mal à trouver une couleur. Hein. Bon, j'ai essayé de trouver une couleur qui allait. Là, j'ai trouvé terre de sienne. Terre de sienne, je trouve que ça allait bien. Terre de sienne, j'aime bien sur les voitures un peu comme comme le vieux Figaro ou le Coquette. Vous voyez, ça faisait un orange là des années 80. Là, ça fait un petit peu plus marron, mais c'est pas grave. On va le laisser, je l'aime bien quand même. Voilà, autour de la Figaro. La Figaro, on a à peine à y toucher parce que elle est du rouge, mais on va l'équiper quand même, on va la tuner après la customiser. Hein. Voilà, tuner c'est mettre rajouter un moteur, une transmission plus élevée, et customiser c'est la peinture, c'est un peu des fenêtres. Voilà, tout ce qui est customiser c'est décorer. Décorer. Voilà, donc on va la tuner et la customiser. Hop là, Vigero. Allez. Voilà pour la Vigero. On pourra dire que ce soit une voiture de Fast and Furious comme une diesel. C'est un classique américain, un muscle. Ah oui, il accélère bien, j'ai mis une transmission, je lui ai mis un moteur. Voilà. Je lui ai mis ce que j'ai pu. On va passer à la suivante. La Bullitt. La Bullitt, elle, si vous connaissez bien, c'est... C'est une GT40, je crois que c'est le modèle... Ah mince, j'aurais pu dire. J'aurais pu dire quel modèle c'est. Et celle-là, on va la mettre en bleu et orange, comme la marque UF. Voilà, le diamant... la bullet, elle est terminée. Elle est pas mal, je trouve. Hop, vous voyez, j'ai un peu pris un bleu ciel mat. J'aurais pu prendre un bleu ciel plus clair. Mais... C'est assez compliqué comme ça.
Donc on va passer à la diamante. La diamante, elle représentera voilà, les barons, les gens riches comme les gens scrupuleux. Ce sera une voiture Rolls-Royce. Voilà, terminé pour la voiture de la Rolls-Royce. Ensuite, on passe à la JB700. La JB700, c'est la voiture de James Bond. Et celle-là, on va la mettre en métal. Voilà. On l'a mise en acier brossé. Voilà, ça c'est parfait. Ensuite, on va passer à la Surfer, véhicule hippie des années 60-70. Celle-là, on va la mettre en bleu ciel. Bleu ciel et blanc, je vais mettre. Voilà, alors pour ce véhicule, on va l'équiper à fond niveau tuning. Frein de course, moteur niveau 4. Éclairage. Plaque, on va la mettre en bleu, vu que c'est du. Ou même, non. On va la mettre. Bon, on va la laisser d'origine. La peinture. La peinture, on va la mettre en classique. Un bleu diamant. Avec un bleu, allons pour un bleu comme ça, un bleu ciel, c'est pas mal. On a un bleu ciel, on a bleu clair. On peut aller dans un bleu clair. Là, il ressemble au violet, là il est un peu plus bleu. On va partir sur ça. Voilà, un truc de garçon, je suis un garçon. Voilà, suspension, suspension. Vu que c'est un véhicule de Baba Cool, on va laisser les suspensions de série. Transmission, on aurait juste été augmenté ces jeunes gens. Donc, ensuite, c'est la transmission. La transmission, on va la mettre à fond. Parce que sinon, le moteur ne ben, suivra pas. Ça, pareil. Les fenêtres, ils n'ont qu'à mettre des rideaux. Et ça, c'est bon. Voilà, terminé. On a notre véhicule de Baba Cool. Il roule pas si peu ça, je trouve. Mais au moins, on ressemble aussi au Mexicain trafiquant, narcotrafiquant dans Retour vers le futur. Et ça, c'est cool. Ah, mince, je l'ai rayé. On a passé le feu, hop, le feu vert, le feu rouge, et nous revoilà dans notre garage. Voilà. Donc pour le surfeur, c'est terminé. Maintenant, il nous restera le Roosevelt et la Z-Type. Donc la Roosevelt, pour la Roosevelt, je vais pas changer la peinture. Je la trouve déjà bien comme ça, en vert effet 1000. 1890, je sais plus trop quelle année. New Yorkais, c'est pas mal. On va juste le tuner un petit peu histoire de. MDR mort de rire. J'étais mettre un turbo sur cette voiture. Sans les suspensions, ben ça arrache. Donc. Notre dernier véhicule est celui-là non plus, on va pas changer on va pas changer peut-être que la couleur secondaire, on va la mettre en blanc. Ok, voilà. Bon, j'ai pas changé la couleur. Je l'ai laissé comme ça, je trouvais que ça faisait très bien. J'ai rajouté des ailettes sur le capot, un bas de caisse. Voilà, léger. Donc nous voilà, on a terminé le garage. Et nous voilà avec
toutes les voitures de films qu'on peut retrouver surtout dans les films américains, comme vous voyez, de gros moteurs, du bois sur la carrosserie, décapotable, surpuissante. Voilà. Donc vous pourrez faire de belles virées avec ces véhicules. Sur ce, moi je vais prendre la route en place de la Z-Type. Et sur ce, ben à vous de jouer. Bonne journée.